Grand vainqueur du concours du meilleur journal scolaire, le lycée moderne 1 de Grand Bassam, l'établissement, de par la qualité de production des élèves, a su se hisser à la première place devant le collège moderne Anador classé 2e et le collège moderne des jeunes filles de Yopougon classé 3e. On a fait d'abord un journal au niveau de notre école et suite à cela, on a été sélectionné pour le concours et ça a avéré que nous avons été les premiers. Il y avait cette grande ligne. On dit qu'au lycée, SIDA menu scolaire, la poésie et la société, ensuite on répète un peu de tout. C'est nous les élèves qui avons fait tout fait. On a écrit et ensuite on a soumis ça aux encadreurs qui ont fait les corrections des autographes et les photos aussi. L'initiative de la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vise à promouvoir l'excellence mais aussi à rehausser le niveau scolaire. Il suffit de lire un peu ce qu'on appelle les short messages, les SMS, pour comprendre que finalement, on n'écrit plus. On émet plutôt des sons, ou bien on écrit des sons à la place des mots. Et donc, cela constitue une sorte d'agression au niveau du système éducatif. Et il était bon qu'on puisse imaginer ce genre de solution pour ramener nos élèves, nos enseignants, à des valeurs essentielles. Outre le concours du muet journal scolaire, le concours J'essaie écrit un conte, destiné aux élèves du primaire, lui, a été remporté par Boussou Alex de l'EPP Kona Kanga Bété de Trècheville. Pour cette première édition, ces concours se sont déroulés dans les 4 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan et d'Abouassou. Les initiateurs entendent les élargir aux autres régions de la Côte d'Ivoire pour les éditions à venir.